Précédemment, dans Untold Stories 5, Calamity Canyon. Bienvenue sur Calamity Canyon. On a pu s'amuser à explorer deux des trois premières zones. La deuxième zone, on l'a ratée. Ce serait bien qu'on parte explorer un petit peu et qu'on essaye de la trouver. Donjon numéro 2. Bah voilà. Pouh. Sur les murs, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. À part du creeper. Il y a de la lave partout, que j'ai pas de seau d'eau ni quoi que ce soit. Voilà. Vous voyez, c'est exactement pour ça. Elle a coulé de lave et tout. C'est énorme ça. Excellent. Je crois que j'ai entendu un blaze. Ouais, voilà, c'est juste là. C'est vrai que cette zone-là, par contre, c'est tordu, quoi. Depuis le début, c'est vraiment tendu, c'est un truc de fou. Et bah oui, oui, bah oui. Ça, je sens la mort débile. Hein. Voilà. Mais c'est plus fort que moi. Voilà. Mais c'est plus fort que moi. Hop, paf, paf. Voilà. Alors, par contre, pas de gâchis sur les blocs. Là, je m'attends à ce qu'il y ait un squelette avec du punch 12 qui spawn à tout moment. Bah non, voilà, il y a mieux que ça. Il y a du blaze. Voilà. J'étais pas loin. Aïe. C'est très douloureux. Ouais. C'est très douloureux. C'est problématique dans la mesure où j'ai pas la régénération que j'aurais habituellement avec comment ça s'appelle, avec la nourriture. Donc quand je suis en feu, je peux pas régénérer facilement. Nickel, ok. Donc là par contre, il va falloir tracer un petit peu. Les spawners à blaze, ça se désactive pas facilement. Voilà, parce qu'il faut vraiment que ce soit éclairé de chez éclairé de chez éclairé pour que ça marche. Et par ici, on a de la blaze powder qui me donne presque envie d'aller la récupérer. Et oh, nice. Ah, je pensais que c'était fait à résistance. Ah, pire. Ouais, c'est bien quand même. C'est bien quand même. Je vais pas m'en plaindre. Voilà, je récupère ça. Et la blaze powder pour le coup. Voilà. Parce que j'ai pas encore pris assez de risques aujourd'hui. Pif paf. Voilà, là je me sens bien niveau quantité de risques prises. Je pourrais même en prendre encore un petit peu plus. Voilà, genre comme ça par exemple. Voilà. Bon allez, on se concentre sur la laine. On va y arriver, on va y arriver. Cet épisode, comme je le disais, va être un petit peu long. Bon, c'est pas bien dramatique. Voilà, j'avais dit que je voulais faire cet épisode entre une fourchette de 20 et 35 minutes, admettons. Celui-ci risque de dépasser les 35 minutes, parce que je crois qu'on doit déjà approcher. Donc voilà, tant pis, c'est pas dramatique. Pif paf. De toute façon, je vous ai prévenu, hein, je me fixe des limites, mais en fait, je les dépasse tout le temps. Que je peux pas faire autrement. Voilà, c'est dans ma nature. Je vois des limites, je dépasse les limites. J'ai dépassé les limites. Et je m'en veux d'avoir chanté ce truc. Paf. Ok, c'est bon, on gère la crise. Voilà, qui veut du punch? Voilà, dans le milieu, avant, on m'appelait Mike Tyson, tellement j'ai distribué des punchs. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Trop de monde, trop de monde. Voilà, le squelette, c'est limite, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est bon, c'est impeccable. Ok, on y retourne. Et ça a déjà respawné, parce qu'évidemment ça a déjà respawné. Pif paf, j'éclaire tout. Non, toi tu dégages, merci. Ouais, toi tu. Ouais. Parfait, tu t'occupes de toi. Ouais, t'inquiète pas, je te laisse tranquille. Ça c'est bon, j'ai déjà cassé. Il y en avait un autre. Où est-ce qu'il était? Ici. Ouais, nice. Ok, c'est bon. Bon, je suis tendu, je mange tout mon pain. C'est pas dramatique, c'est là pour ça. Pif paf. Oui, bah oui, oui, oui. Encore, il n'a pas été tout à fait. Voilà, il n'est pas allé au bout de ses idées, il aurait pu leur mettre du punch. Voilà, encore une fois. À force d'en parler, ça va finir par arriver. Et là, à ce moment-là, je vais être vraiment triste. Ok. Merci le bouclier. Ah, sans déconner. Bah oui! Magnifique! Voilà, je voulais la lancer droit et en fait je l'ai pas lancé droit du tout. Bon, c'est pas dramatique. Préventivement, voilà, je fais ça, comme ça maintenant je peux rusher un petit peu plus librement. Voilà, je peux rester traîné par là ou pas. Salaud! Je le dis! Voilà, bim! Où est-ce qu'il est le blaze? Je sais pas. Arrête! Sans déconner! Voilà, merci. Juste ici. Celui-là, je pourrais pas l'avoir facilement. Ok, ma régène est toujours active, c'est bien. Ok, ça va. Le spawner qui est par ici. Voilà, c'est déjà un problème en moins. Ah, les flèches courtes, par contre, j'arrive plus à les faire comme avant, c'est dingue ça. Voilà, c'est bon, ça va. Toi là-bas, là. Voilà. Je suis désolé, mais c'est beaucoup plus tendu que la troisième zone, hein. C'est un truc de malade. Ok, ça je vais supprimer. Ah, ça c'était le blaze, très clairement.
Parce que de toute façon, ils spawnent tous depuis ici. Mais va pas en dessous de la lave, comment tu veux que je te tue sinon? Ouais, merci. Et ici, il doit y en avoir un autre, très clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, ça c'est fait, nice. Il me semble que je me suis occupé de tous les autres spawners qui avaient par là. Et par ici, ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs aussi, une grande galerie. Alors, je sais pas si c'est amusant, ils mettent des trucs à explorer par contre. Mais limite, plus tard, si on trouve. Si jamais un jour on est bloqué ou quoi que ce soit, faudra probablement qu'on revienne là. Parce que quand je vois la taille de la caverne. C'est l'endroit où cacher un truc, quoi, basiquement. Donc, faudra juste que je m'en souvienne. Voilà. Pif paf. Voilà, par contre, je débloque sur ma barre. Ok. Voilà, c'est cool. Et donc, on obtient la seconde laine. Magenta. C'était pas de tourpeau. C'était vraiment pas de tourpeau. Ok, non, les torches, je les veux sur moi. Ça, par contre, je m'en fiche. Ok, très bien. Et donc, vous connaissez la routine. À partir de maintenant, le retour, on se le fait à l'accéléré. Voilà, et donc, je me souviens de faire la petite coupure dans l'enregistrement. Parce que voilà, c'est comme ça que je fais, en fait. Sinon, je m'en souviens jamais. Voilà, c'est-à-dire, c'était sur. Je sais plus quelle série, je sais pas si c'était Paradecraft. Il y avait un épisode comme ça dans lequel, si vous voulez, j'avais oublié de couper. Il y avait genre une minute de blanc. Et vu qu'en plus, à l'époque, c'était pendant le déménagement. Et j'étais en train de faire. Je faisais plein de vidéos comme un gros nerveux, mais à la volée. Du coup, je rangeais mes montages. Un truc de fou. Et en plus, sur les mêmes systèmes, généralement, ça, j'ai tendance un petit peu les rusher, les montages, pour justement pouvoir en produire plus. Voilà. Et les sortir plus vite aussi, logiquement, derrière. Mais donc ouais, il y avait un épisode comme ça, sur lequel je me souviens que j'avais oublié de couper un blanc. Et donc si t'es resté dans l'épisode, c'était un petit peu gênant, et en fait le pire c'est que ouais, on m'a dit dans le commentaire, ah tiens, t'as laissé un blanc à tel moment, et j'étais oh, bigre. Donc après je l'ai viré, si vous voulez, je l'ai coupé, parce que ouais, ça faisait genre une bonne minute de blanc quand même. Donc on me disait, ouais mais non, mais t'aurais dû le laisser, parce que c'était sympa et tout, ça faisait une petite pause, tout machin, ça changeait quoi. Oui, certes, peut-être, mais une minute ça fait beaucoup quand même. Voilà, des blancs un peu plus courts, j'ai déjà du mal, je suis déjà en train de faire une thérapie, mais j'essaye de me forcer à laisser des blancs, voilà, comme de temps en temps maintenant dans mes vidéos. Genre là par exemple, vous voyez, c'est. Bah, à l'accéléré en plus ça s'entendra pas beaucoup, hein, mais c'est beaucoup plus long puisque j'aurais laissé à une époque, disons. Et donc, ouais, donc je veux bien à la limite, mais quand même à ce point là, non, faut pas déconner. Alors, je pourrais poser mes blocs de laine dedans, voilà, je pourrais, mais je vais pas le faire. Voilà, par contre, je vais poser ça, un petit paf. Mais voilà, moi, voilà, je garde mes blocs de laine, sinon c'est pas marrant. Ok, c'est bon, c'est, on y est. Finalement, j'ai coupé mon micro. Parce que ouais, c'est, sinon, c'est vrai que ça fait un son un petit peu stressant. Pfff, ah bah, c'était tendu cette zone. Pouah, moi, après cet épisode, je vais faire une pause. Et ouais, du coup, voilà, ensuite, le temps que je fasse le montage, etc., voilà, j'aurais pas le temps d'enregistrer plus que ça aujourd'hui. Enfin, de toute façon, il se fait tard. Et je sens que ma voix est en train d'abandonner. Nice! Donc voilà, comme ça en même temps, j'en profiterai pour regarder un petit peu vos commentaires sur le premier épisode. Comme ça, j'aurai un petit peu ce que vous en avez pensé de ça. Et ensuite, je pourrai continuer d'enregistrer le reste, tout ça un petit peu en avance, comme d'habitude. Alors par contre, j'ai l'air poser mes blocs de laine par ici. Et par contre, on a également assez de fer. Yes, excellent. Pour pouvoir... Est-ce que j'ai des outils en bois? Ouais, j'ai ça, à la limite. Pif paf. Pour se faire un bloc de fer, en attendant, nous, voilà, on peut faire ceci. Voilà, paf, c'est cool. Bonjour, ouais, merci. Je vais poser les deux lingots par là pour le moment. Et on va d'ores et déjà aller poser le bloc de fer. Voilà, juste par ici. Bim! Nice! Ironic Victory. Où est-ce qu'on en est en termes d'advancement, tout ça? Ici, on n'a pas forcément fait des masses de progrès. Bon, ouais, c'est pourquoi pas, hein, c'est pas dramatique. Par contre, par là, yes, voilà, on a déjà les trois premiers blocs. Donc ensuite, Redstone, Lapis Lazuli. Le pas sur Lazuli. Hein? Mais? C'est toujours. One with the Sky. Ouais, ok, ça c'est référence à une vieille chanson. Enfin, vieille, début des années 2000. Ok, je me suis amusé à faire cuire pas mal de l'or qu'il y avait par ici dans les fours. Ouais, j'ai rangé juste là. Et on a toujours plus d'or que je suis en train encore de faire cuire. Donc voilà, c'est excellent, on en a vraiment une tonne. Un petit peu de fer aussi, pourquoi pas. Donc c'est pour ça, du coup, j'ai encore plus de niveau qu'avant. Et donc ouais, donc mine de rien, voilà, petite coupure. Alors à la base, ouais, je voulais terminer l'épisode au niveau de la laine magenta, mais ouais, j'étais obligé de découper ça après au montage. Mais donc ouais, dans l'histoire, c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu un petit peu plus de la laine magenta, sinon on aurait justement pu se faire... Une grosse boule magenta. Voilà. Je suis désolé, il fallait que je le place. Ah non, j'ai pas le choix, hein, c'est trop tard, c'est fini. C'est devenu un élément récurrent des vidéos. Et donc, sinon, j'ai regardé un petit peu dans les commentaires, et donc, au niveau du feedback et tout ça, donc déjà, merci à vous pour le feedback sur le premier épisode. Quand j'enregistre ça, le second n'est pas encore sorti. Et donc, ouais, vous m'avez dit par rapport au zoom, et également par rapport au dynamic lighting, donc c'est-à-dire, vous savez, non, pas le chat, dynamic lighting, donc c'est-à-dire, par exemple, les torches qui éclairent quand je les tiens en main, quand elles sont au sol, etc. Vous m'avez dit que c'était ok pour les deux.
Donc voilà, merci à vous pour le feedback. C'est vrai qu'en fait, c'est juste pour le confort de visionnage, on va dire. Ce sera plus simple pour vous, surtout si vous êtes sur mobile, par exemple. Parce que c'est vrai que bah, sinon, YouTube a tendance à bien obscurcir la vidéo comme il faut. Donc voilà, donc c'est un problème. Et là, vous voyez, par exemple, ici, il fait sombre. Mais vu que j'ai Dynamic Lighting, bah voilà, c'est bon. Tout est éclairé. Voilà, c'est quand même pratique, hein, c'est pas mal. En tout cas, pour la suite de cet épisode, donc j'allais dire pour cet épisode, parce que du coup, j'ai l'impression de... vous savez, de commencer un épisode à zéro. Mais non, du coup, donc pour la suite de cet épisode 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer un petit peu derrière le train. Ah, on a le train, vous savez, qui est juste là. J'ai envie de voir ce qui se cache derrière, parce que je sais pas trop. Et également, ensuite, au bout du rail, justement, parce que je me dis qu'il doit y avoir des trucs tout en haut. Ça me paraît logique. D'accord, ok. Donc là, par ici, on a un spawner. Je vais juste l'éclairer, mais je vais pas m'attarder dessus. Donc ouais, donc j'avais vu qu'il y avait un spawner d'ailleurs justement en haut il me semble, mais j'ai un doute, il faudrait qu'on y retourne pour voir. Et donc par ici on a un oasis, d'accord, okay, enfin une oasis, avec de l'eau carrément, nice. Par contre voilà, je suis méfiant, je m'attends à ce que ce soit piégé. donc ouais, il y a forcément un truc quelque part. Ou alors c'est l'eau. Ouais, c'est fourbe, d'accord. Regardez bien la hauteur de l'eau. C'est pas de la vraie eau en fait, si je l'actualise, voilà, donc ça c'est bien, bah, j'ai laissé une torche par ici du coup, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de pièges, par contre qu'il n'y ait pas tout qui tombe par ici, mais bon, pourquoi pas, tiens voilà, bim, voilà, moi je suis tout pété, je suis un ouf, et par ici il y a une pancarte qui nous indique, as-tu déjà entendu parler d'une Fata Morgana? Oui. Alors le terme me dit rien du tout, j'irai agrandir ma culture un petit peu plus tard, aïe. Bah tiens, j'aurais pas dû faire des popello du coup, parce que ça aurait été bien pratique pour pouvoir m'éteindre. Mais bon, c'est pas grave. Ah, et en plus, je marche dans le feu, excellent, trop bien. Voilà, donc faut que je pense à bloquer, par contre, parce que quand on bloque avec le bouclier, ça part les flammes des blazes. Donc voilà, c'est bien. Et donc on doit avoir un spawner quelque part par ici. Oui. Je crois qu'il y en a un qui a dû despawner. Ouais, ok, d'accord, je vois, il est juste là. Et il nous a droppé également un bouquin, ce qui est pas mal. Alors par contre, toi là, voilà, tu disparais, voilà, merci. Donc dans l'histoire, au final, on a pas mal de melons, bon bah c'est toujours ça. Et donc qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Alors qu'est-ce qu'il nous a droppé? C'est sympa ça, que de temps en temps, les mobs droppent des trucs rares. Fire Aspect 2, ouais, c'est pas logique. Voilà, Blaze, Fire Aspect, normal. Donc voilà, ça je récupère. Et par ici, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? On a Efficiency 2, du charbon, une pelle en fer, pourquoi pas, et du pain. Ok, c'est pas mal. Alors ensuite, donc, par ici, il y a l'air d'y avoir de la structure, ça a l'air de monter un petit peu par là. Ouais, ok, d'accord, j'entendais du bruit, j'entendais pas un bruit de mob derrière. Donc j'étais étonné. Effectivement, c'était un creeper, du coup. Ça a l'air de monter en tout cas par là. Je vais pas récupérer le charbon, le melon. Pour le moment, dans la mesure où ça va encombrer mon inventaire pour rien. Mais en tout cas, c'est bon à savoir. On sait qu'on en a par ici. Et ça nourrit un cœur à chaque fois. D'accord, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi pas, intéressant. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a par ici. Du coup, il y a l'air d'y avoir une montée. Et surtout, je vois une structure de là, donc j'ai envie de voir ce que c'est. Ah, par contre, ouais, Blaze Powder, ça pour le coup, je récupérerai. Parce que c'est relativement précieux et ce sera bien pratique quand on pourra faire des potions. Ouais, ok, d'accord. Ma technique n'a pas fonctionné, je voulais esquiver les mobs. Tentative numéro 2. Voilà, hop, les j'esquive de l'autre côté. Et ça, ça marche. Voilà, ici, ouais, clairement, on avait du spawner. Ça me paraissait logique, vu le nombre de mobs qu'il y avait. Non, c'est bon, ça va. Je pensais qu'il allait m'envoyer une flèche, mais non, même pas. Ok, donc forcément, ils vont tous me suivre, mais bon, ça, c'est pas dramatique. Nice, et donc on a une espèce de falaise, on peut toujours avoir une vue, ouf, il y a un Enderman juste là-bas, pourquoi pas. Ouais, donc ça c'est le fameux train, c'est le deuxième morceau du train, on va pouvoir le rejoindre du coup, ça peut être intéressant. D'abord j'ai envie de voir un petit peu ce qui se trouve par ici. Juste, c'est pas le ciel ça, juste pour voir, d'accord, donc comme quoi j'ai bien fait. Il y a un truc bleu tout en haut, on va aller voir ce que c'est déjà. Et est-ce que sinon il y a autre chose? Ça, c'est une maison qu'on a explorée. Ouais, voilà, en même temps que le train qui est par ici. D'accord, ok, donc par là, je sais que ça sert à rien d'y aller. Ok, on va aller voir ce que c'est que le truc bleu, ce que ça m'intéresse. Et de toute façon, dans tous les cas, je comptais escalader. Parce que j'aime bien voir un point de vue, vous savez, en hauteur, sur la zone. Pour voir un petit peu tout ce qui se passe, tout ça. Voir tous les différents chemins, voir par où je peux passer, etc. Mais là, j'ai carrément un vrai prétexte parce qu'il y a du bleu nulle part ailleurs, en fait. Enfin, c'est la première fois que je vois du bleu comme ça. Donc, si ça se trouve, c'est un truc caché, vous savez. Et vu que je sais qu'il a tendance à cacher des trucs partout, ça peut être pas mal. Et nous avons du fer, ce qui est intéressant.
Alors j'ai pas été prudent, voilà, genre, ouais. Enfin, remarquez, non, là c'est un truc caché, donc en théorie ça va à peu près. Mais vu qu'il aime bien mettre des pièges partout, voilà. ceci étant dit, ouais, non, ça à première vue, ça va, c'est safe. C'était peut-être une météorite en fait, ou un truc comme ça, c'est assez marrant. Ah non, il n'y a rien l'air d'y avoir d'autres par contre. Intéressant, c'est sympa, pourquoi pas. Et donc pendant qu'on est ici, voilà, alors déjà je vois la lumière juste par là-bas. Je vois une échelle également. Ok, c'est cool. On a une arche juste par là, qui a l'air d'avoir une entrée, donc il y a l'air vraiment des trucs explorés en hauteur en fait. Donc ouais, faut pas que je me prive d'aller dans les hauteurs, parce qu'à première vue, il y a planqué pas mal de choses. Pas forcément sur les contours, ceci dit. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit sur les contours. Par ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, très bien. Et sur dans l'autre sens, là-bas, il y a du charbon, et j'ai vu un truc vert en dessous. Ça, c'est la zone 2, ça. Donc ouais, par ici, il y a une émeraude cachée, qu'on a ratée dans la zone 2. Bon, bah voilà, comme quoi on a bien fait de monter ici de nouveau. Donc ouais, notre objectif, déjà, ça va être d'aller choper l'émeraude. Je vais faire une ligne droite et passer par le mur probablement parce que voilà, ça c'était les falaises sur lesquelles on avait les creepers qui nous tombaient tout le temps dessus, donc c'est bon, voilà, hein, et donc ouais, et ensuite une fois qu'on aura récupéré ça, on va faire demi-tour et on va continuer et on va aller vers les trucs en pierre qui est par là, et donc selon ce qu'on y trouve, soit on monte vers les rails, soit on monte par là et ensuite peut-être qu'on pourra tourner, on verra bien. Voilà, donc comme ça vous avez le plan en tête pour les prochaines minutes de cette vidéo. Voilà. Pas de surprise, sauf si on tombe sur un piège rempli de TNT qui nous fait mourir. Voilà, j'ai entendu le creeper, juste au moment où je parlais d'explosion de TNT. Voilà, ce n'est pas un hasard. C'est le jeu qui essaye de me prévenir, qui dit là, t'es sur une bonne piste, là. Attention, attention, Golok, attention. Puis paf, voilà, je referme juste derrière moi, parce que de toute façon, je vais creuser à travers le tunnel. D'ailleurs, tiens, voilà, hop, là, je me sers de dynamic lightning, c'est pas mal. Et donc si je me suis pas trompé dans mes calculs, je vais avoir des creepers qui vont me tomber sur la tête. Voilà. Du coup je me protège. Et ouais voilà c'est ça, on a bel et bien l'émeraude qui est par ici. Bon ça a l'air d'être relativement safe, est-ce qu'il n'y a pas des squelettes? Là c'est bon, allez hop c'est parti, hop voilà. Ouais alors par contre ça, voilà, j'aime vivre dangereusement, peut-être pas à ce point là non plus. Parce que si jamais... Minecraft décide que, salut, c'est Minecraft, comme d'hab, et que basiquement, je pose pas un bloc, mais une torche, parce que j'ai les torches dans ma main gauche, et donc si jamais je tombe à cause de ça, je vais terriblement m'en vouloir. Donc voilà, je préfère prévenir plutôt que guérir. Ouais, parce que, autant je suis bon pour prévenir, mais pour guérir, c'est un peu limite. Voilà, nice, ok, d'accord, je vais tout ça. La planche qui parle, tu sers à rien, toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus. Et les blocs, ça peut être pratique, donc je vais les garder. Voilà, très bien, excellent. Bon bah c'est cool, ça nous fait une émeraude de plus. Donc je rappelle que ouais, il faut qu'on trouve... Mais d'accord, pourquoi pas. Il faut qu'on trouve... c'est intéressant. 9 émeraudes, pour pouvoir se faire le bloc d'émeraude sur le monument. Voilà, et à première vue, elles ont l'air d'être cachées un petit peu partout sur la map comme ça. Sur Goliath, ouais, il en avait mis genre un double coffre entier, c'était impressionnant. Alors j'avais pas pu tout les récupérer malheureusement, mais bon, c'était assez sympa parce que partout où vous alliez, il fallait absolument fouiller partout parce que vous pouviez trouver des émeraudes vraiment à plein d'endroits différents. D'accord, Enderman, bébé zombie, creeper, là ça fait un petit peu beaucoup quand même. Voilà. Mais... Ah, ça me rend fou les bébés zombies, sérieux, sans déconner. Ah merci le creeper, ouais, c'est très gentil. Je remarque que depuis le début de la série en fait, grâce au briquet mais pas que, les creepers sont mes amis, c'est impressionnant ça. Depuis le début il me fait plein de coups de main comme ça, c'est cool. Voilà. c'est vraiment pratique, c'est limite des grenades. D'accord, des grenades vous savez, qui se promènent sur le terrain et que j'ai juste ensuite à déclencher. Voilà, et ensuite je peux les balancer un petit peu où je vais et c'est pas mal. Par contre je veux bien le pain sur ma barre. Oh! Un arc! Nice! Voilà. Au cas où je parle le mien, un spawner! Moins nice! Donc, les squelettes peuvent dropper des arcs. Intéressant. Mais ça doit être un drop très rare en fait. C'est cool ça. Il a l'air d'avoir vraiment bien fait mumuse avec les drops globalement sur la map. Donc c'est une bonne chose. D'accord, ok, creeper en face de nous. C'est une bonne chose parce qu'en fait, ouais, c'est bah, comme ça la map est bien customisée. Bon alors, on a plein de choses à aller voir. Donc, déjà par ici. Ouais, c'est ça, je veux de la structure. Par là, je vois du bois. C'est impressionnant. Mais j'ai tout d'abord envie d'aller voir l'autre côté du train. Parce que ça, le suspense est insoutenable. Je vais en voir ce qu'il y a. Donc, on va aller visiter ça dès maintenant. Bonjour. Déjà, qu'est-ce qu'on a par ici? Parce qu'il y a forcément un truc. Ouais, voilà, c'est un spawner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc par ici. Ok, par là.
J'ai envie d'explorer, mais je vais pas y aller maintenant, parce que sinon c'est mort. D'accord. Est-ce que je peux pas les pousser? Ouais, non, je vais pas pouvoir les pousser dans le vide. Ouais, non. Tant pis, c'est pas bien grave. Parce que là, je vais laisser cramer par ici. Bon, attends, je vais éclairer tout ça. Pif paf. Ok, d'accord. Double spawner. Bah oui, parce que il n'en avait pas assez avec un seul. Donc voilà, autant en mettre deux. Hein, ça, pourquoi pas. Et voilà, comme ça, maintenant on peut se débarrasser d'eux. En plus, c'est cool, vu qu'ils ont cramé. Du coup, c'était one hit kill. C'est bien. Impeccable. Y a rien à part là. Non. D'accord, c'est intriguant comme forme. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai plus beaucoup de torches dans la barre. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a du pain. On a toujours plus de pain. Excellent. Briquet. Une épée. Donc ouais, l'arc est par ici. Alors l'arc par contre il va prendre de la place. Ceci étant lié de la place, je peux en libérer comme ceci. Et sinon, plastron en chaîne que je vais prendre, pourquoi pas. Et le reste, je m'en fiche un petit peu. Enfin, je le prends, ouais, c'est qu'en fait là pour le moment ça va à peu près lumière, mais bon, ouais, ça peut être pratique. Dans la mesure où pour le moment, enfin si remarquez vu les quantités d'or que j'ai en fait, limite le plastron, ouais non, j'aurais même pu le laisser. Bon, c'est pas dramatique. Dans le pire des cas, je le sortirai de mon inventaire si j'ai besoin d'avoir de la place en plus. Tout voilà. Hop les, voilà. Voici, voilà pourquoi, en image, les flèches courtes, c'est bien. Quand vous avez du punch, dans certaines circonstances, genre par exemple c'était le cas ici, vous n'avez pas besoin de taper fort votre ennemi si vous pouvez juste le faire voler. Donc voilà, donc ça sert à rien de faire. Et par de la seconde à charger l'arc, quand vous pouvez juste faire. Voilà, comme ça, et envoyer une petite flèche. Voilà. Une carte. Intéressant, c'est peut-être des cartes au trésor, ça, sur Goliath, il en avait mis. Yes! Ah, j'aime bien ça, excellent, je suis content. Ça peut paraître stupide, mais c'est un concept que j'aimais vraiment bien, ça. Il avait fait ça sur Goliath, vous aviez des grandes maps comme ça, avec, ça vous indique une croix, en fait, un endroit où il faut partir fouiller. Et donc là, à première vue, il y a des rails qui se croisent. Alors, on est sur un rail qui est par ici. Ceci étant dit, logiquement, à première vue, il y en a un, je dirais, en dessous. Et là, ici, on n'en a pas parlé. Ça veut dire que c'est donc pas ce spot-là de la map. Il me semble... ouais, si c'était à côté de la zone 2, il y avait un rail au sol. Donc ça doit être probablement pas loin de la zone 2, en fait. Donc peut-être quelque part par ici, je sais pas trop. Faudra qu'on aille voir ça plus tard. En tout cas, c'est intéressant. On garde la map avec nous. Par contre, j'ai jeté des trucs que j'ai sur moi. Et je vais me refaire quelques torches, voilà, pendant que j'y suis. Parce que j'en ai plus, franchement, trop des masses. Voilà. Et donc nous, on va continuer notre exploration dans l'histoire. Parce que voilà, maintenant qu'on a vu ce qui se tenait de ce côté-là du train, enfin du rail, tout ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas à tout hasard un truc caché par là? Non, pas première vue. Ouais, donc ouais, je viens de faire une petite pause parce qu'il s'avère que l'appartement dans lequel je vis, bon, et c'est sympa et tout, hein, mais je suis content, j'ai un toit sur la tête, je me plains pas de ce point de vue-là, mais c'est très sonore. Voilà, j'entends très bien mes voisins, il faut parier que mes voisins m'entendent d'ailleurs quand j'enregistre, j'aime pas ça du tout. Et donc ouais, l'inconvénient c'est que parfois il y a des bruits bizarres, c'est très gênant quand j'enregistre. Et donc voilà, c'est les petites coupures impromptues comme ça, c'est excessivement énervant. Ceci étant dit, je sais pas trop, enfin, faudrait que je m'achète des panneaux sonores, mais ça va même pas modifier tant que ça. Ça améliorera la qualité du son, c'est déjà ça. Mais en fait, il faudrait carrément refaire l'isolation. Le truc, c'est que vu que je suis en location, etc., je suis pas proprio ni quoi que ce soit, bah, basiquement, en fait, je peux pas refaire l'isolation, vous savez, de l'appartement comme ça, quoi. De toute façon, ce sera un budget aussi, donc ouais. Et par ici, nous avons le donjon 4, les ruines de la Black Mesa, de la Mesa Noire. Intéressant. Alors par contre, j'ai vu le temps depuis lequel l'épisode dure. On va pas aller... Oh, d'accord, ok. J'ai capté. On va pas l'explorer ça maintenant. On va juste avoir un petit aperçu vite fait de ce que ça donne. Et je crois que je reconnais le spot. Le style architectural, ça me parle. Voilà. Si vous vous souvenez bien, on avait récupéré un arc juste devant une espèce de truc comme ça. C'est ça, c'est la même caverne, sauf que là on est tout en haut. D'accord. Regardez bien en bas, il y a de la lave, de l'obsidienne, et je reste pas traîner plus longtemps que ça part ici. Et ben voilà, c'est ça en fait. C'est le truc qu'on a vu dans un des épisodes précédents. D'accord, très bien. Ça c'est cool, ça, les donjons sont liés entre eux, c'est vraiment sympa comme concept. Mais ouais, on va pas aller l'explorer aujourd'hui parce que l'épisode se fait déjà assez long, mine de rien, et que j'ai pas envie d'avoir à vous remettre un autre cliffhanger. Mais en tout cas, il y a des trucs à explorer encore par ici. Par contre, je pense que ce qu'on va aller faire, c'est chercher où nous amène la carte au trésor. Voilà, par contre, le jeu de la maison, faut que j'aille voir ce que c'est. Désolé, c'est plus fort que moi. Et ça c'est pareil, ça c'est le truc qu'on avait commencé, il me semble, à visiter. Et c'était trop compliqué. Ouais. Parce que là, si je vois ça, c'était le train, vous voyez, il y a des torches dedans, c'est ça exactement. D'accord, intéressant. Donc ouais, donc cette position-là est vraiment entre les donjons. C'est énorme. C'est énorme. J'adore en fait ce genre de map-là. Et je peux... Oh! Ouais, d'accord, ok. Cave Spider. Bon, très bien. On va se tenir éloigné parce que le poison...
Le poison, je reste à distance. Voilà. Pif paf. Spawner juste par ici déjà. Où est-ce qu'il est le creeper? Je sais pas trop. Donc ouais, en tout cas j'aime beaucoup le concept comme ça d'avoir toutes les zones qui s'entrecoupent, mine de rien c'est ça le truc cool, les open world. C'est que bah du coup ils peuvent s'amuser à faire ce genre de choses. Oh, yes! A fuzz en falling cat! Nice! Excellent. Bon, quand j'aurai des bonnes bottes. Ouais. Genre en fer au strict minimum, voire même du diamant. Ouais, par contre là clairement. Il y a un spawner, il y a pas mal de blé par contre, donc ça va être intéressant. Mais le poison, ouais non, pour le moment je le fais pas, j'ai pas la bonne armure. J'ai pas des armes qui permettent de nettoyer ça facilement. Donc. Voilà, retraite stratégique. Voilà. C'est pas... Il y a une entrée par ici. J'avais vraiment envie d'aller voir la carte au trésor, mais là j'ai une entrée, maintenant ça m'intéresse. Bon, voilà, on va voir l'entrée, ensuite on va voir la carte au trésor, et ensuite on s'arrête pour cet épisode. Je suis méfiant avec lui, avec les échelles. Il arrive à nous filer une parano pour tout. C'est du gros n'importe quoi, ce truc. Genre, dans Goliath, comme ça, il y avait un chemin, pareil, ligne droite, je me souviens très bien de ça, le chemin, tu t'avances, tu dis non, il va pas être un piège là, tchouk, le truc qui souffle, tu tombes dans la lave, donc voilà. Donc là, c'est pareil, la dernière fois qu'on a trouvé du fer, voilà, il était piégé, je m'attends à tout moment à ce que ça fasse pchit, voilà, genre là, là. Non, même pas, sous bloc de gros fer, voilà. Je vais faire mon parano, voilà. Voilà. Donc à coup sûr, c'est de la TNT MC Edit. Bon. Bigre, ça perd l'hypopète. Fou. Voilà. Ok. Bon, comprenez? J'ai survécu. J'ai pas eu le bloc de fer, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous pouvez me dire, oh là là, Golduck, t'es parano, non, voilà, preuve, objection votre honneur, en voici les preuves, ma parano est complètement justifiée sur les maps de RenderXR, voilà, sur d'autres maps, peut-être que c'était pas forcément justifié, ici, ça allait complètement. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez dire, oui, mais, oh, mais du coup, c'est pas marrant. Non, voilà, moi, mon but, c'est de pas mourir, là, vous voyez, le zéro, là, tout en haut, là, bah voilà, je veux le garder. Donc, dès que j'ai un doute sur un piège, à partir de maintenant, ça va être clair et net, c'est, oh là là, je vais faire mon paranoïaque, je vais prendre toutes les précautions du monde, et si ça vous pose un problème, eh ben, dis-le site. Voilà. Et donc, par ici, voilà, bah, forcément, sous une toile d'araignée, en plus, voilà, ok, comme ça, ça s'est réglé. Je m'écarte un petit peu, il y a un spawner encore par ici. Ouais, bah ouais, un autre spawner à Cave Spider en plus, très bien. Non, non, s'il te plaît. Non, pardon, excuse-moi, pardon, bah, pardon, je dis pardon. Hein, quand on dit pardon, on laisse passer. Toi, tu fais un petit peu trop de fumée, ça m'inquiète. Voilà, c'est bon, il est mort, nice. Ok, c'est cool. Voilà, d'où le principe de la retraite stratégique. Voilà, c'est toujours important. Je... Je vais rien dire. Oui, je vais prendre un briquet, c'est précieux, on sait jamais. Bon, alors, apprenons du passé. Voilà, par ici. Pour qui, pourquoi, je la sens mal celle-là. Voilà. À première vue, ça a l'air d'être bon. À première vue, ça a l'air de passer. Ça a l'air parfaitement potable. Bah d'accord, c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Ok. Tout va bien. Celle-ci, elle est pigée, celle. Celle-ci, elle est pigée, c'est clair et net. C'est pas possible autrement. Par contre, il me faut tout ce blé. Non, j'ai dit tout ce blé. Voilà, merci. Celle-là, ici, c'est pareil. Ah, celle-là, je la récupère. Et celle-là... Non, c'est bon, ça va. D'accord, ok, bon. Voilà, là, c'était un cas où la parano était de trop. Mais voilà, je préfère être prudent. Hein, parce que, bon, c'est... Voilà. Bon, là-dessus, bon, en tout cas, je vais aller chercher un petit peu le spot de la map. Je vais donc redescendre un petit peu de la mesa. De toute façon, j'ai plein de trucs à aller déposer dans mon inventaire. Je pourrais les mettre dans l'Ender Chest, mais bah, d'ailleurs, non, tiens, si je vais faire ça. Parce que, selon le trésor qu'on trouve, si tant est qu'il y a un trésor et que c'est pas juste un piège pour nous faire exploser la tronche, voilà, je veux pouvoir le récupérer. Donc, je pose tout ça. Alors, donc, le rail qu'il y avait, voilà, il est juste par ici. Donc, on va partir, justement, des rails. Voilà, qui sont donc par là, ok, c'est cool. Et je m'attends à ce que ce soit le gros truc gris, en fait, qui est par ici, plus ou moins.
Parce que si tu te mets à peu près à la hauteur, logiquement il y a la falaise. Donc ouais, si c'est ça en fait. C'est assez clairement c'est cette espèce de truc. D'accord, pourquoi pas. Bon bah dans ce cas-là, on va déjà commencer par éclairer un petit peu le tout. Ok, on a un spawner caché ou quoi que ce soit. Comme ça déjà, ça va minimiser un petit peu les spawns. Toi là, ouais, tu vas pas m'embêter, merci. Et donc ouais, si on se logique, ouais voilà c'est ça. D'accord. Alors la dernière fois que j'ai tapé dans un bloc de fer, hein, il a failli m'enlever ma vie. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, encore une fois, c'est préparer le terrain. Je vais être excessif, peut-être, mais voilà. Moi, je ne souhaite pas exploser. Voilà. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà creuser. Comme ça. L'intérêt de creuser de cette manière, c'est que je peux remonter assez aisément, en théorie. Ouais. Puis paf, ok, c'est cool. Ah, tu m'as trouvé. Alors, déjà, ça... Voilà, ça c'est safe, il peut pas cacher de piège à ce niveau-là. Maintenant. Bon, celui-là il est safe. Ouais, c'est bon, ça va. Toi par contre, est-ce que t'es vraiment safe? Ouais, si c'est bon, ça va. Ok, shulker box, nice. Ah, yes. Voilà, depuis tout à l'heure, est-ce que je peux être content, ou alors est-ce qu'il faut que je me méfie? Mais non, c'est bon, nice, excellent. Shulker box, je suis vraiment content. Et pareil, tous les blocs de fer, là pour le coup, ça va être le bloc de fer, donc, mais tout le fer, ça va être bien pratique. Excellent, bon bah c'est cool. En tout cas, moi du coup, je vais aller ramener ça à la base, je trie un petit peu mon inventaire. Mais là-dessus, voilà qui sera tout. Pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine.